Europe 1, il est 7h52. L'écrivain hongrois Imre Kertész, prix Nobel de littérature, s'est éteint discrètement. C'était hier à l'aube, chez lui à Budapest. Il avait 86 ans. Bonjour Dani Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Kertész était un des derniers survivants d'Auschwitz. Il disait d'ailleurs qu'il avait eu deux vies, une avant et une après. En fait, Thomas, ce qu'il disait, c'est vivre pour lui, c'était survivre après avoir survécu. Et je crois que ça décrit très bien son état d'esprit. Évidemment, il est entré à 15 ans. Il a été déporté à Auschwitz, puis après à Buchenwald. Et donc sa jeunesse, son adolescence, il l'a passé en camp de concentration. Et ça, ça l'a complètement surdéterminé, son état d'esprit, sa vision du monde. D'ailleurs, il dit une phrase assez fantastique, toujours. Il explique que, en fait, le mal, c'est le quotidien. Et la surprise, ce qui est en fait, qui n'est pas quotidien, c'est le bien. Le bien est une exception. Et je crois que c'est comme cela qu'il a vécu, qu'il a continué à vivre, surtout intellectuellement. Alors vous le connaissiez, vous l'aviez rencontré, Imre Kertész. Et je dois dire que quand vous m'avez dit que vous vouliez parler de ce sujet, je vous ai senti ému comme rarement, Dani. Pourquoi teniez-vous à ce point à lui rendre hommage ce matin ? Eh bien, c'est parce que Imre Kertész était un des grands personnages, une de ces grandes consciences de notre époque. La dernière fois que je l'ai vu, il y a 3 ans, il était déjà très marqué par la maladie de Parkinson. Il se tenait difficilement et il marchait avec sa femme Magda qui l'accompagnait. Mais il avait une clairvoyance assez fantastique. Et quand il vous expliquait ce qu'était le fascisme et après comment il ressentait d'une manière absolument horrible la réalité de la Hongrie d'aujourd'hui, qu'il comparait par certains moments à cette Hongrie nationaliste, antisémite qu'il a connue dans son enfance, eh bien vous entendiez là la conscience d'un homme qui vous disait « Écoutez, Auschwitz n'était pas une exception, ça peut revenir. » Ce pessimiste qui avait fait le pari de la vie, malgré tout, était l'auteur de « L'être sans destin », c'est cet ouvrage qui lui avait valu le Nobel de littérature en 2002. Parlez-nous de ce livre, Dani. Sa manière d'appréhender Auschwitz est assez surprenante. C'est-à-dire qu'il raconte Auschwitz à travers les yeux, les réflexions d'un jeune de 15 ans. Donc il décrit d'une manière naturelle, il n'a pas de distance, il n'y a pas de réflexion, il décrit comme un jeune décrit la vie. Donc c'est surprenant parce que c'est un camp de concentration, il ne fait pas de grandes réflexions sur le mal, sur l'horreur. Non, il vous décrit le quotidien du camp de concentration. Et ça, c'est très prenant. D'ailleurs, on lui a beaucoup reproché. Au début, personne ne voulait publier son livre en Hongrie. Il n'a jamais été reconnu en Hongrie parce que cet être sans destin, c'est un peu pour lui l'image de cette Hongrie sans destin. Une Hongrie qui s'est cherchée, qui n'a jamais trouvé, en fait, un peu de tranquillité et qu'on le revoit aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'on peut le comparer à Primo Levi. Et c'était un homme parce que c'est une description tranquille, calme, surprenante, pas d'un camp de concentration, quelque chose qu'on n'attend pas. L'être sans destin publié chez Actes Sud, signé donc Imre Kertész, cet homme qui disait que du nazisme au stalinisme, il aura accumulé suffisamment de savoir intime sur la dictature. Dani Cohn-Bendit revient lundi à 8h10 sur Europe 1. À lundi, Dani. À lundi, Thomas. Ciao, ciao.